Merci d'avoir conduit nos pas jusqu'ici. Que tu puisses, mon Dieu, bénir ce moment que nous t'offrons. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Nous sommes contents et joyeux en ce soir d'être avec vous. Et les enfants vont le chanter également. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie. Également monter sur la montagne du Seigneur. Je veux monter sur la montagne. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvre les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux baissent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne. Croyez que Jésus, c'est le plus beau nom. Ah oui, il l'est. Jésus, c'est le plus beau nom que nous ayons. Ce soir, tout joyeux pour bénir et célébrer le Seigneur. Alors chantons-le ensemble. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Le 505. Thank you.
Amen, amen. La Bible, c'est le livre que nous devons lire combien de fois? Tous les jours, tout le temps. Si nous voulons grandir, que devons-nous faire? Lire notre Bible. Lis ta Bible et prie chaque jour. Fraîche et limpide, lavez nos deux mains. Et à Jésus notre guide, nous avons été chaque matin. 559 dans l'eau fraîche et limpide. Chanter le chantem.
Merci Jésus pour la belle journée qu'on a passée. Merci Jésus pour la belle journée qu'on a passée. On va passer une belle soirée. Bénis le pasteur. Accompagne-nous. Et protège tous les enfants. Nous d'Égypte, d'accord, amen. Frères et sœurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous allons chanter. Nous sommes contents de vous voir. Les enfants vont vous interpréter un chant spécial. Thank you.
Naëlys va nous réciter le psaume 23. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque en rien de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sens de la justice à cause de mon nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme et de la mort, tu n'es encore mort quand tu es avec moi. Ton été tombe à tout me rassure. Tu restes devant moi une tape en face de mes animaux. Tu rendis ma tête et pas court que des bords. Où le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen, amen. L'Éternel est mon berger. Nous allons le chanter également. L'Éternel est mon berger, rien ne manque à la dernière. L'Éternel est mon berger, rien ne manque à la dernière. Il ne me repose dans le Alors, pendant que les aventuriers rejoignent leur place, je fais quelques annonces. Donc, cette semaine, nous prions pour Sœur Bordin Rosalie et sa famille. Donc, ne l'oublions pas dans nos prières. Et je rappelle aux membres d'église que ce sabbat, il y aura la Sainte-Cène au culte. Donc, ce sabbat, il y aura la Sainte-Cène au culte. Alors, je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter la première strophe du chant. Quel bonheur d'être dans la maison de l'Éternel, avec ces petits bouts de chaux, avec les plus grands, les grands-enfants, les grands-grands-grands-enfants. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous en ce soir pour que nous puissions continuer à développer notre thème. Vous rappelez notre thème? Vous rappelez notre thème? C'est quoi notre thème? C'est quoi notre thème? Ah, notre thème c'est quoi? Show up dans les villes. Show up. Dites à la personne à côté de vous. Show up dans les villes. Dans les villes. Show up dans les villes. Ça veut dire qu'il faut qu'on se montre, qu'on soit présent dans les villes, qu'on soit véritablement les témoins du Seigneur Jésus-Christ dans les villes. Show up dans les villes. En tout cas, c'est un heureux privilège pour moi, une nouvelle fois, d'être avec vous. Que je vous dise... Que je vous dise que sabbat dernier, hier, j'ai bien mangé.
J'étais invité quelque part, le repas était bon. Mais vous savez, ce qui est encore plus merveilleux, plus intéressant, c'est l'échange avec les frères et sœurs. D'accord? Le fait qu'on se réconforte, qu'on parle de nos expériences, de ce que Dieu a fait pour nous, nos luttes aussi. Et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant. Donc, il y avait le repas qui était très bon, mais aussi la communion fraternelle était encore meilleure. Merci encore. Merci encore. Donc, sabbat prochain. J'ai rien dit, mais tout le monde s'est mis à rire. Vous lisez dans mes pensées, c'est ça, mes frères? J'aimerais vous inviter à prendre avec moi le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Nous prendrons seulement le verset 35. Matthieu chapitre 9, verset 35, que je vous demanderai de lire avec moi. Matthieu chapitre 9 et le verset 35. Matthieu chapitre 9, verset 35. J'espère que tout le monde a trouvé. Et nous pouvons lire ensemble. Allons-y. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nouvelle fois, nous venons devant le trône de la grâce pour que tu puisses nous permettre de saisir Matthieu 9, verset 35, pour que nous puissions aussi voir son application dans notre vie de tous les jours. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Vous noterez avec moi qu'il y a trois verbes en ce qui concerne Jésus-Christ lorsqu'il parcourait les villes et les villages. Trois verbes. Il y a le verbe enseigner, ok? Ensuite, il y a le verbe prêcher et il y a le verbe guérir. Donc, trois choses que Jésus faisait. Enseigner, prêcher et guérir. Donc, si nous voulons suivre aussi les traces de Jésus, si nous voulons faire comme Jésus, nous aussi, le Seigneur nous donne la capacité, la possibilité d'enseigner, de prêcher et de guérir. Notons une chose, cela se fait encore une fois et toujours avec la puissance de l'Esprit. Et en ce soir, comme j'ai dit que j'allais un peu adapter le sermon aussi pour que les enfants participent avec nous, nous allons faire une expérience en ce soir. Une petite expérience. Voilà une... Je vais rapprocher la table. Voilà. On va mettre le sac par terre. Voilà, tout simplement. Et on va prendre une bouteille d'eau. D'accord? Je demanderai à deux enfants de venir. Choisissez deux enfants. Les deux petites, venez, les deux petites. Voilà, venez. Et ça fait trois, il n'y a pas de souci. Alors, je vais donner à une bouteille vide. À l'autre, une bouteille vide. À l'autre, oui, c'est une petite bouteille d'eau, il n'y a pas de souci. Alors, je vais demander à un plus grand de venir parmi les jeunes. Viens, viens, d'accord, très bien. Voilà. Alors, viens. OK. Montrez bien, mettez-vous par ici, d'accord, pour qu'on puisse bien voir. Alors, vous allez ouvrir votre bouteille. Ouvrez la bouteille. Voilà. OK. Maintenant, toi, ouvre ta bouteille. D'accord? OK. Une chose importante avant de poursuivre. Les enfants ont ouvert leur bouteille. Il faut vraiment avoir à l'esprit quelque chose. C'est que lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu totalement et complètement, que nous pouvons être l'instrument de Dieu. On va reprendre ça encore. C'est lorsque j'ouvre mon cœur totalement à Dieu que je peux devenir l'instrument du Seigneur Jésus. Maintenant, tu vas remplir la bouteille de chacun d'entre eux. Vas-y, remplis la bouteille. Alors, vas-y, prends la bouteille et tu remplis. Vas-y, vas-y. Alors, mets-toi bien pour qu'on puisse te voir. Mets-toi par là. Voilà. Voilà. Remplis la bouteille. Vas-y. Vas-y, je tiens pour toi. Tiens ta bouteille. Tiens la bouteille bien pour qu'il puisse remplir pour toi. Vas-y.
Voilà. Et tu remplis totalement. OK? C'est pas grave si ça mouille. Très bien. Stop! Attends un moment. J'aimerais vous dire, ceux qui pensent que l'Esprit Saint veut nous remplir à moitié, se trompe totalement. Avec Dieu, c'est tout, tout rien. Il faut avoir ça à l'esprit. Dieu veut nous remplir totalement et complètement pour que nous puissions être pleinement ses témoins. OK? Vas-y, continue. Alors, il n'a pas fini. Oui, viens. Tiens ta bouteille. Il va remplir ta bouteille. Vas-y. Remplis la bouteille, remplis-le. Lorsqu'on accepte d'être rempli de l'Esprit de Dieu, on peut enseigner la parole, on peut prêcher la parole et on peut guérir aussi par la puissance de l'Esprit. Il faut remplir, 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 remplir encore, remplir, remplir, remplir. Stop, stop, c'est bon, c'est bon. Tu peux refaire, voilà. OK, super. Maintenant, tu vas remplir la bouteille de... Khadija. Vas-y, merci. La bouteille de Khadija. Vas-y, tiens bien ta bouteille. D'accord, tiens bien la bouteille. Vas-y. OK, voilà. Voilà. C'est seulement lorsque j'ouvre mon cœur au Seigneur qui peut pleinement m'utiliser et que je peux être vraiment à son service. Voilà, continue, continue. Stop, c'est bon. Elle est, voilà. Très bien. Maëlys. Maëlys maintenant. Stop. Avant Maëlys. Maëlys, referme ta bouteille. Referme ta bouteille. Voilà. Maëlys a refermé sa bouteille. OK? La bouteille de Maëlys est fermée. Remplis la bouteille de Maëlys. Pourquoi on ne peut pas remplir la bouteille de Maëlys? Parce que c'est fermé. Parce que c'est fermé. Alors, parce que c'est fermé, certains d'entre nous, nous avons décidé de fermer notre cœur à double tour, mais on veut recevoir l'Esprit. On veut être un instrument entre les mains de Dieu. Ce n'est pas possible. Chers amis, c'est impossible. Maëlys, ouvre ta bouteille, synonyme d'ouverture de son cœur, et maintenant remplis. Le cœur de Maëlys, vas-y. Attention. Vas-y, continue. Voilà. Vas-y, voilà. Vas-y. Voilà. Il faut faire monter légèrement. Voilà. OK. Il a fait tomber. Très bien. Alors, maintenant, les enfants, et ça, c'est important. Merci. Vous restez là avec la bouteille. Mais vous savez que Dieu vous donne les capacités, vous donne pour quoi faire. C'est pour que vous puissiez tout simplement partager avec les autres. Notez bien une chose. C'est parce que Dieu te donne, parce qu'il te donne son Esprit Saint, que maintenant tu peux partager avec les autres. Donc on va partager. Voilà. Allez, partage avec Gabriel. Partage. Voilà, partage. Avec Gabriel. Partage. Voilà. Merci, c'est bon. Partage avec l'autre. Partage avec l'autre. Partage, vas-y. Vas-y, partage. OK. Oui, partage, oui. OK. C'est bon. Merci, les enfants. Très bien, c'est bon. Merci. Vous avez pouvez retourner à votre place. Je vous remercie. Voilà. On a partagé déjà. Merci. Donc, merci. Donc, ce qui veut dire que c'est seulement lorsqu'on est rempli de l'Esprit qu'on peut véritablement partager avec les autres totalement et complètement. OK? Donc, première chose que nous avons vue dans le texte, c'est que Jésus enseignait. Alors, je ne sais pas où on a pris cette histoire, d'accord, que les doctrines sont négatives. Il y a une idée qui est montée dans l'esprit de certaines personnes, qu'il faut parler de Jésus-Christ, c'est ce qui est le plus important, et qu'on n'a pas besoin de parler de doctrine.
Faux. Parce que Jésus-même, c'est une doctrine. Hello? Hello? Jésus-même, c'est une doctrine. Puisque le salut vient de Jésus, on est d'accord? Le salut vient de Jésus. Donc, lorsqu'on parle d'enseignement, il s'agit pour nous d'aller faire des études bibliques. Alors, je sais, pour avoir discuté avec certaines personnes, on est prêt à aller chanter sous la place publique. On est prêt à faire des distributions de nourriture. Mais ça ne... Écoutez-moi attentivement. Cela ne peut pas se substituer à l'enseignement de la parole de Dieu. Hello! Il faudra faire des études bibliques. Jésus faisait des études bibliques. Il prenait les psaumes et les prophètes pour expliquer à son auditoire qu'il était le Messie, qu'il devait venir et qu'ils avaient besoin de l'accepter. Donc, chers amis, Jésus est l'essence de la doctrine, est le fondement de la doctrine. Jésus est la doctrine par excellence, je dis bien par excellence, du salut. Alors que nous approchons de la fin des temps, peut-être que nous ne l'avons pas encore réalisé, mais il y a quelque chose, il y a au moins deux doctrines qui vont jouer un rôle important. Et ces doctrines sont fondées sur Jésus-Christ lui-même. C'est l'observation du sabbat et aussi l'immortalité de l'âme. Je vais reprendre cela. L'observation du sabbat et l'immortalité de l'âme. Vous savez, est-ce que vous savez que quasiment la terre entière croit en l'immortalité de l'âme? Est-ce que vous le saviez? La terre entière, les philosophes, les scientifiques, d'accord? Et pas mal d'autres dénominations croient en l'immortalité de l'âme. Mais vous et moi, à partir de la parole de Dieu, nous devons dire aux autres que l'âme n'est pas immortelle. Nous sommes tous des âmes vivantes, des êtres vivants. Tout simplement. Et que si nous mourons, lorsque Jésus reviendra, il nous appellera de la tombe pour que nous puissions avoir la résurrection et la vie éternelle. Chers amis, cette doctrine-là, elle n'est pas importante? Elle n'est pas importante? Elle est importante, cette doctrine. Et pourquoi on ne veut plus parler de doctrine? Je ne sais pas où est-ce qu'on a sorti cette idée. Je peux vous dire qu'en philosophie, il y a des doctrines, hein? Dans la science, il y a des doctrines. Et c'était intéressant de voir que lorsqu'on parlait de la COVID-19, on parlait de doctrine aussi par rapport à la COVID-19, la manière de l'aborder. Donc, j'aimerais dire en ce soir que la doctrine, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un gros mot. Et heureusement qu'il y a des doctrines, puisque les doctrines, l'enseignement biblique te permet de rester sur le droit chemin. Et personne ne viendra te couillonner, te tromper. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, j'entends les artistes, les scientifiques, les philosophes dire que lorsque quelqu'un meurt, son âme est au ciel, paix à son âme. Et j'entends souvent dire que oui, il nous regarde de là-haut. Et j'entendais dernièrement un artiste dire: Johnny Hallyday nous regarde de là-haut, paix à son âme. Sachez que la doctrine aujourd'hui, qui a pénétré toutes les sciences et disciplines de la terre, c'est l'immortalité de l'âme. Donc il nous faut enseigner cela. Et ne parlons même pas du sabbat, le jour du repos de l'Éternel. Quelqu'un me disait dernièrement: comment tu peux être sûr que le sabbat est le jour du repos de l'Éternel? J'ai dit à cette personne-là: je suis espagnol. Je dis, tu sais, je suis espagnol, moi, hein, parce que j'aime beaucoup l'espagnol. Puisque le samedi en espagnol, c'est sabado. Donc, je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, tout le monde sait que le samedi est le jour du repos de l'Éternel. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait.
que le sabbat, c'est le samedi. Tout le monde le sait. Toutes les dénominations le savent. Tout le monde le sait. Mais nous devons le rappeler, enseigner aux gens, aux autres. La jeunesse, on compte sur vous pour enseigner la parole de Dieu. Ça va? Donc la doctrine, ce n'est pas un gros mot. Au contraire, nous avons besoin d'enseigner la doctrine biblique. Et le fondement de la doctrine, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça va? Donc Jésus enseignait. Alors, ce qui donne de la force, ça me fait sourire déjà avant de le dire. Ce qui donne de la force à l'enseignement, c'est ma vie. Vous savez, mon papa était un grand fumeur. Il fumait à l'époque, je ne suis même pas sûr que cette marque encore existe. Il fumait de la gitane. Mon papa fumait de la gitane. Et tu sais quoi? Mon papa me disait, tu ne dois pas fumer. Mon papa me disait, tu ne fumes pas. Il ne faut pas que tu fumes. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Mais mon papa fume. Mais moi aussi, j'ai été essayé de faire une taf. Bon, je n'ai pas aimé, donc je ne suis pas resté dans la cigarette. Aujourd'hui, il y a une chose que j'aime dans cette société aujourd'hui. C'est qu'avant, les parents pouvaient vous dire quelque chose. Ils pouvaient vous dire quelque chose et faire autre chose. Ils vous disaient, ne faites pas telle chose. Mais eux, ils avaient la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça avec un enfant. Si tu dis à un enfant, ne fais pas, et que tu fais, dis-toi bien qu'il fait derrière ton dos. Il fait ce que tu fais derrière ton dos. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Et très souvent, nous qui sommes les enseignants de la parole de Dieu, notre vie n'est pas en adéquation. Notre vie ne correspond pas à ce que nous disons. Et c'est ce qui faisait la force de Jésus. C'est que Jésus parlait, et lorsqu'il parlait, ce Jésus que vous et moi aimons vivait ce qu'il disait. Moi, j'aime souvent entendre les hommes politiques dire, je fais ce que je dis ce que je fais. Vous avez déjà entendu ça, les hommes politiques dire ça? Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. J'aimerais que nous, en tant que chrétiens aussi, nous puissions faire ce que nous disons. Et c'est ce qui va donner la force à notre enseignement. Donc les jeunes, nous sommes appelés à enseigner la parole de Dieu. Alors, je suis toujours un peu surpris lorsque je vois que certains jeunes font de belles dissertations à l'école. Belles dissertations, belles présentations, et de les entendre me dire, je ne sais pas faire une étude biblique. Mais ça s'apprend. Tu as appris à faire une dissertation à l'école, tu peux apprendre aussi à faire une étude biblique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu peux faire une étude biblique. L'étude biblique est composée de la parole de Dieu et de l'explication de la parole de Dieu. On peut t'accompagner. C'est possible pour qu'un jeune puisse faire des études bibliques. En fait, nous avons besoin davantage de jeunes qui font des études bibliques, qui parlent de la doctrine. Je crois que les jeunes allaient dire amen. Donc je suis tout seul dans mon truc là. Je suis tout seul. Je croyais que je ne peux pas. Noah, c'est Noah? Oui, Noah. Copine de ma fille, Sarah-Lyne. Je croyais que Noah allait dire amen. En réalité, les jeunes ont la capacité de pouvoir faire des études bibliques. Comme Jésus. Suivre l'exemple de Jésus. Et comme Jésus nous a remplis de son Esprit Saint, nous avons la capacité et nous avons la possibilité. Donc Jésus n'enseignait pas seulement, mais Jésus aussi prêchait. Alors je vais faire une autre illustration avec les enfants, puisque je vais les faire participer. Alors, chers enfants, ok, tous les enfants qui sont là, donc, on va faire l'expérience de prêcher la parole de Dieu.
Et ce qui va consister, qui va être notre illustration, ce sont des pommes. Voilà des pommes. OK? Ah oui, des pommes, je sais. De belles pommes. Les enfants? Voilà, des pommes. Alors, OK, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Très bien. C'est vrai. Je te remercie. OK, sans problème. Alors, voilà des pommes, les enfants. Alors, les enfants, vous allez prendre une pomme, OK? Les jeunes aussi, venez prendre une pomme. Venez prendre une pomme et attendez, vous allez prendre une pomme. Et vous allez prendre la pomme et vous allez remettre cette pomme-là à quelqu'un dans la salle. Venez prendre la pomme, allez-y. C'est comme si vous prêchez. Prenez une pomme et vous allez donner à quelqu'un dans la salle, n'importe qui. Prenez une pomme et vous allez donner cette pomme à quelqu'un dans la salle, n'importe quelle personne dans la salle. OK, prenez une pomme, voilà, et vous allez donner à quelqu'un dans la salle. Tu as pris une pomme? Prends une pomme. Et va donner à quelqu'un dans la salle. Ah, OK? Vous allez donner à quelqu'un dans la salle la pomme. Très bien. OK. Voilà. C'est bon. Vous prenez une pomme. Voilà, il n'y en a plus d'autres. C'est fini. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Vous allez donner à quelqu'un la pomme? Il faut donner à quelqu'un la pomme. Alors, ceux qui ont reçu la pomme, levez la main. Ceux qui ont reçu une pomme, levez la main. OK? Très bien. Vous avez reçu une pomme. All right. Magnifique. OK. Maintenant, c'est ça prêcher. Prêcher, c'est saisir l'occasion que nous avons de partager la parole avec les autres. Prêcher n'est pas nécessairement le fait de faire... Prêcher n'est pas nécessairement faire une étude biblique. Prêcher, c'est saisir l'occasion que Dieu vous donne de parler de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être du haut de la chair pour dire que vous prêchez la parole. Mais vous rencontrez quelqu'un sur la route. Vous rencontrez un camarade dans la salle de classe. Vous pouvez lui parler de Jésus. C'est ça, prêcher. C'est ça, prêcher. Et lorsqu'on prêche la parole, on élève le nom de Jésus. Et on parle de la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors, je suis vraiment peiné, mais vraiment peiné certaines fois, d'entendre que, mais on parle de la grâce, mais est-ce qu'il ne faut pas parler de la grâce et de la loi? Comme si la grâce ne peut pas rester debout par elle-même. Comme si la grâce ne peut pas subsister par elle-même. On a l'impression que parler de la grâce du Seigneur Jésus, je vous rappelle que nous tous qui sommes assis sur les bancs là, nous sommes assis par grâce. Hein? Nous sommes assis par grâce, mes frères. Mes sœurs, nous sommes assis par grâce. Nous ne sommes pas assis là par loi. Hein? Nous sommes assis par grâce parce que Dieu nous a fait grâce. Parce que Dieu a eu compassion de nous. Et vous savez qu'en réalité, la relation que Dieu a avec toi et avec moi est basée sur la grâce. Et la relation, écoutez-moi attentivement maintenant, la relation que nous avons avec Dieu est basée et fondée sur la foi. Je vais reprendre cela encore. La relation que Dieu a avec toi et avec moi est fondée sur la grâce. Et la relation que j'ai avec Dieu est fondée sur la foi. Ce que Dieu reçoit de ma part, écoutez-moi attentivement, ce n'est pas ma prière, c'est ma foi et ma prière après. Je vais reprendre ça encore, mes frères. Et si,
ce que Dieu récompense, en d'autres termes, c'est ma foi et pas les mots que je prononce. Parce que les mots que je prononce peuvent être une phrase tout simplement, mais Dieu regarde à mon cœur. Dieu regarde ce qui est au plus profond de moi. Donc je disais donc que parler de la grâce de Dieu, c'est parler de l'Évangile. Amen. Parler de la grâce, c'est parler de Jésus. La grâce personnifiée, c'est Jésus-Christ. C'est bien Jésus. Et la personne que Satan craint, c'est Jésus. C'est pas toi et moi. Je racontais quand j'étais à table, en train de déguster le bon repas que j'ai mangé sabbat dernier et qui était un avant-goût du sabbat qui vient bientôt, d'accord? Qui vient bientôt avant que nous allions au ciel, ok? Avant que nous allions au ciel. Mais frère, permettez-moi d'avoir foi dans le repas de sabbat prochain. Merci. Ok, permettez-moi d'avoir foi dans le repas de sabbat prochain. Donc, il me dit, écoutez-moi attentivement, il me dit, pasteur, tu sais, nous avions quelqu'un qui était possédé et je me suis préparé spirituellement. J'ai jeûné, j'ai prié et lorsque cette personne devait venir à l'église, elle n'est pas venue. Je dis, d'accord, très bien. Et je dis, maintenant, est-ce que tu es prêt? Non, je ne suis pas prêt parce que j'ai besoin. Je dis, laisse-moi te dire une chose. Satan ne craint pas ton jeûne. Satan ne craint pas ta prière. Celui que Satan craint, c'est Jésus. Place ta confiance en Jésus-Christ. Tu appelles le sang de Christ. Tu ne vas pas appeler le sang de ton jeûne. Tu ne vas pas appeler le sang de ta prière. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui sauve. Et ce que nous devons avoir, c'est la foi. Et mes frères, permettez-moi de vous rappeler. Permettez-moi de vous rappeler. Jésus dit... Si vous aviez la foi comme un grain de sénévie. Donc, il ne demande pas mon émerveil. Il te demande simplement de t'appuyer sur lui. Donc, prêcher, c'est annoncer la grâce de Dieu. Prêcher, c'est de dire aux autres que Jésus est capable de te donner la foi aujourd'hui. Donc, grâce, foi. Grâce, foi. Ce que nous devons prêcher. Ça va? Nous avons prêché la grâce de Dieu, la foi de Dieu. Et je peux vous dire, prêcher la grâce de Dieu, ce n'est pas donner la permission à pécher. Non, au contraire, parce que Jésus, la grâce personnifiée, a cloué le péché à la croix et il nous libère. Donc, on peut le dire à nos amis, à nos collègues de travail, on peut le dire à nos amis à l'école, nos camarades de classe. On n'a pas besoin de faire une étude biblique, mais on peut parler et prêcher la parole. Nous avons besoin de personnes aujourd'hui qui sont prêtes et disposées à prêcher la parole. Tu veux prêcher la parole? Très bien. Ça va? Bien, on va faire une expérience avec les enfants à nouveau, puisqu'il faut qu'on les inclue dans le message. D'accord? Alors, merci pour l'éponge, ok? Voilà, les enfants, voilà un miroir, ok? Voilà un miroir, ok? Voilà un miroir, et voilà des aimants, ok? Chaque enfant, avec calme, tranquillité, douceur, sans faire de bruit. Un après l'autre, vous allez venir et vous... Non, un après l'autre, on attend. Vous allez venir, vous allez prendre un petit aimant, vous allez regarder le miroir et vous allez dire, je veux prêcher la parole de Dieu. Et vous allez poser votre aimant là, d'accord? Ok? Alors, un enfant, un après l'autre. Quel enfant qui vient? Viens. D'accord? Tiens l'aimant. Ok. Regarde, attends, regarde le miroir. Regarde le miroir. Dis, je veux prêcher la parole. Vas-y.
Et dans l'autre sens. Voilà, très bien. Merci. Tu viens, d'accord? Vas-y, prends un aimant. Ok, et qu'est-ce que tu dis? Je veux prêcher la parole. Je veux prêcher la parole. Oui, mets ton aimant, mets ton aimant. Voilà, très bien. Ok, vas-y. Regarde le miroir et dis... Voilà, très bien, merci. Viens. Ok, prends un aimant. Et dis. Attends, je veux prêcher la parole. Je veux prêcher la parole. Ok, très bien. Ok, viens. Donc, mets-toi devant le miroir, regarde le miroir, voilà. Dis, je veux prêcher la parole, vas-y. Je veux prêcher la parole. Prends un aimant. Voilà. Ok, et tu mets ton aimant. Très bien. Vas-y. Viens devant. Vas-y. Dis, je veux prêcher la parole. Vas-y. Je veux prêcher la parole. Prends ton aimant. Ok, aimer. Voilà. Très bien. Vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Je veux prêcher la parole. Voilà. Très bien. Vas-y. Et qu'est-ce que tu dis? Je veux prêcher la parole. Je veux prêcher la parole. Voilà, très bien. Ok, vas-y, prends un. Vas-y. Il faut regarder le miroir, regarde le miroir. Vas-y, vas-y, dépêche. Mais c'est pas grave. Vas-y. Vas-y, mais. Très bien. Ok, viens. Vas-y, prends ton aimant, vas-y. Vas-y. Très bien. Ok. Ok. Viens. Je vais prêcher la parole, vas-y. Oui, tu mets ton aimant. Voilà. Ok. Très bien. Vas-y. Vas-y. Je vais prêcher la parole. Vas-y. Vas-y. Très bien. Très bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu t'écoutes. Voilà, très bien. Ok. Très bien. Bien, bien. Vas-y. Vas-y, prends ton aimant. Et dis, je veux prêcher la parole. Vas-y. Vas-y, je veux prêcher la parole. Je veux prêcher la parole. Très bien, merci. Très, très bien. Merci. Attention. Ok. Donc, nous avons tous la possibilité de prêcher la parole parce qu'il suffit d'annoncer la grâce de Dieu. Le dernier verbe utilisé dans le texte, c'est le verbe guérir. Amen. Le verbe guérir. Il ne s'agit pas simplement d'une guérison physique, d'une guérison spirituelle, d'une guérison émotionnelle. C'est une guérison totale que le Seigneur Jésus nous propose. C'est pour cela que nous, en tant qu'Adventistes du septième jour, nous nous intéressons à l'individu dans sa totalité. Amen. Dans sa totalité. On ne s'intéresse pas seulement à sa santé physique, on s'intéresse aussi à sa santé émotionnelle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que jeunes, nous devons parler de la santé. Il nous faut parler de la santé. Alors, il y a une santé qui fait peur certaines fois, c'est la santé mentale. Les maladies mentales. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que le Seigneur Jésus est celui qui guérit. Parce que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par ses meurtrissures. Parce que Jésus est mort à la croix. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous demander. Hein, tu peux venir, toi le jeune? Oui, viens. Oui, oui, toi. Oui, toi. Tu peux venir, s'il te plaît? Ça va? Ok. Très bien. Viens. Viens, Paris. Yes. Ok.
Voilà, on va dire que c'est pour ce soir, c'est notre Jésus. D'accord? Donc tu as intérêt à bien te comporter, mon cher. Okay. Je suis un pécheur. Ok? Je suis un pécheur. Écoutez-moi attentivement. Ok? Écoutez-moi attentivement. Je suis un pécheur. Pour que je puisse avoir la guérison physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, etc., ce Jésus puisse écouter attentivement. C'est important ce que je suis en train de dire là. C'est que Jésus est parfait. Mais comme moi je suis pécheur, le péché me sépare de Jésus. Jésus vient me chercher. Ah, Jésus! Ah! Merci, Jésus. Parce qu'il est venu. Jésus vient à nous. Écoutez-moi attentivement. Jésus nous guérit parce qu'il vient à nous. Et vous savez ce que Jésus a fait? Oui, il m'a accueilli. Mais pour m'accueillir, il va faire quelque chose que l'apôtre Paul nous dit. C'est que Jésus est devenu péché pour nous. Attendez, vous ne réalisez pas ce que Paul dit. Paul est en train de dire, ce Jésus, c'est Jésus qui est parfait, dont le péché nous sépare de lui. Paul dit qu'il est devenu péché pour nous. En d'autres termes, il est devenu séparation pour nous réconcilier avec son Père. Jésus est devenu séparation pour nous réconcilier avec son Père. Et pour que nous puissions avoir toutes les bénédictions du Seigneur. Merci d'avoir joué ton rôle. D'accord? Continuez dans la vie de tous les jours. D'accord? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous et moi, chers jeunes, la seule personne qui est consciente à part Dieu de toute la puissance, que nous avons en Jésus, c'est Satan. Je vais reprendre ça. La personne qui est consciente de toute la puissance que nous avons en Jésus, c'est Satan. C'est pour ça qu'il a peur. Et c'est pour ça aussi qu'il cherche à nous détruire. Parce qu'il sait aux côtés de Jésus, il y a une telle force, une telle puissance. Parce que Jésus, dit Paul, est devenu péché afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc nous avons aujourd'hui, et c'est ça le message, c'est ça la guérison. Nous avons aujourd'hui, mes frères, nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir la guérison, d'être délivré, quelle que soit la situation. Et cela, nous le devons à Jésus. Ça va? On termine par ici. Enseigner, prêcher et guérir dans les villes. Alors, je termine avec cela. Il y avait un pasteur qui a été voir une sœur qui était malade. Écoutez-moi attentivement. La sœur est malade. Et le pasteur se pose la question. Parce qu'il y a les membres de la famille qui sont là. Quelle prière que je vais faire? Si je prie pour demander à ce que la sœur soit guérie et que la sœur n'est pas guérie, on va dire que le pasteur n'a pas de puissance. C'est à ce qui se passe. Et si je prie, une prière quelconque 100 fois, on va dire que le pasteur n'a pas de foi. Et la question, quel genre de prière que je fais?
N'oublie pas que la relation que Dieu a avec moi et avec toi est basée sur la grâce et que la relation que j'ai avec Dieu est basée sur la foi. Pasteur, membre, jeune, ça t'importe peu. Prie avec foi. Et laisse la grâce de Dieu décider de ce qu'il va décider. Tu n'as pas de souci à te faire. La guérison vient de Dieu. Et de toute manière, si ce n'est pas sur cette terre que tu seras guéri au retour de Jésus. Amen. Remercions Dieu pour Jésus-Christ, mes frères. Ah, on peut dire ça haut et fort. Hein? Remercions Dieu pour Jésus-Christ. Dites à la personne qui est à côté de vous, je remercie Dieu pour Jésus. Remercie Dieu pour Jésus. Je remercie Dieu pour Jésus. Et dites à la personne qui est à côté de vous, comme Jésus, je veux enseigner, je veux prêcher et je veux guérir. Comme Jésus, je veux enseigner, je veux prêcher et je veux guérir. Au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Nous allons prendre notre chantem et nous allons prier pour clore ce moment. Demain, Dieu voulant, je vais amener pour chaque enfant une couronne. Mais vous allez voir pourquoi la couronne. Nous allons nous mettre debout, nous allons avoir notre chantem et nous allons pouvoir prier. Suivante en ce soir. Nous voudrions suivre Jésus-Christ. Nous voulons enseigner, nous voulons prêcher, nous voulons guérir, mais nous ne pouvons le faire que si toi, tu déverses ton Esprit Saint en chacun d'entre nous, pour que nous puissions être véritablement tes disciples. Nous avons la conviction que c'est ton désir pour chacun d'entre nous, et particulièrement pour notre jeunesse. Nous t'en remercions d'ores et déjà au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Demain soir, 18h30, Dieu voulant.